Bonjour à tous et à toutes, c'est Wizen News, donc bienvenue pour votre nouveau journal. Avant que ce journal commence et avant le générique de Wizen News, nous voudrons faire une minute de silence pour notre PDG de Wizen News, donc Marina Dreamer, qui est décédée. On ne peut pas vous dire les détails puisqu'il faut que ça reste privé selon les forces de l'ordre. Donc une minute de silence avant le générique de Wizen News et à tout de suite. Rebonjour à tous et à toutes, bienvenue pour votre journal de Wizen News, le journal qui vous parle des derniers événements de Los Angeles, tout simplement, etc. Bref, dans les actualités, il y a eu une tentative de braquage sur Los Santos Transit, donc l'entreprise des bus, et il y a eu aussi une attaque sur Madame Cavalier Chloé, donc agent de police de Los Angeles Police Department, alias Los Santos Police Department, tout simplement. Donc cela, on va le traiter, aussi de Marina Dreamer, etc. Donc, et aussi de pourquoi le pays passe en état d'alerte. Bref, on va parler dès maintenant de la première chose. La première chose qu'on devrait parler, c'est tout simplement de Marina Dreamer. La première chose qu'on devrait parler, c'est notre PDG, le Wizen News, tout simplement, qui s'est suicidé au-dessus d'un toit il y a quelques mois maintenant, parce qu'on n'a pas voulu vous en parler de suite, en respect à notre PDG, le Wizen News, qui s'est suicidé au-dessus d'un chantier non loin de Mission Row, donc pas très loin du poste de police de Mission Row. Bref, les paramédics, les EMS qui étaient sur place ont échoué à leur intervention, mais ils ne pouvaient rien faire, malheureusement. Et d'ailleurs, merci à eux et courage à eux encore pour toutes ces interventions qu'ils ont eues et qui auront encore au sein de cette année, malheureusement, des suicides, des décès, etc., en termes de leur intervention. Donc, bonne chance à vous. Bref, on va parler autre chose aussi. On va parler de Los Santos Transit qui a été braqué, qui a eu une tentative de braquage tout simplement, et cette tentative de braquage, on sait juste que c'est une tempête à drift qui a fait un drift devant le bus, et Madame Mima Marine, donc employée de Los Santos Transit, a eu le réflexe de se garer sur le côté avec son arme de PPA et tirer sur la personne qui était en tempête à drift et qui s'est enfuie. Selon Los Angeles Police Department, il y a eu aussi le fait que la personne est revenue suite à l'intervention de Los Angeles Police Department, sauf qu'un gros accident, un gros carambolage a eu lieu et cette personne est décédée sur le coup. Donc cette personne, on peut dire que maintenant, elle est hors d'état de nuire. Madame Mima Marine a sauvé Chloé Cavalière, donc agent de police de la LAPD, donc Los Angeles Police Department. Tout simplement, cette personne, Chloé Cavalière, a escorté un remorquage d'orange, donc de jus d'orange bio venant de Grapeseed, tout simplement. Au moment des faits, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu deux bikers qui ont barré la route avec deux motos et Chloé Cavalière a été braquée par les motos et Marine Mima, à l'aide de son permis de PPA, a neutralisé un d'entre eux. L'autre a pu s'enfuir puisque l'autre était au sol et a été pris en charge par les secours EMS. Bref, tout simplement, on n'en sait pas plus sur les effets du braquage, etc. Qu'est-ce qui s'est passé après, mais voilà.
Suite à une alerte attentat lancée par le gouvernement et suite des événements, tout simplement, le PPA a été interdit et a été arrêté par Los Angeles Police Department, donc le service LAPD. Certains services LAPD et EMS et pompiers, eux, bénéficieront d'une arme de service. Un service étant suspens pendant ce temps, c'est le service Los Santos Transit, donc l'entreprise des bus, parce que le gouvernement réfléchit si Madame Mima Marine, employée de Los Santos Transit, bénéficiera d'une arme, évidemment, pour ses clients et pour sa sécurité en termes du pays. Car je le rappelle, Los Santos Transit travaille gratuitement pour vous, chers citoyens, au sein de la ville. Bref, chaque citoyen, vous avez tous l'obligation d'aller au poste de police, ramener votre PPA, votre permis de port d'armes tout simplement, et votre arme aussi de permis, tout simplement, qui vous sera rendu après l'alerte, ne vous inquiétez pas, et peut-être que des tests seront à refaire, mais si vous avez payé le permis de port d'armes et que votre permis de port d'armes est enregistré, tout simplement, vous ne paierez rien, évidemment, et le prix qui me semble de 1 000 $ du permis de port d'armes sera évidemment restitué, mais par le biais d'un test de permis de port d'armes. Voilà, bref, j'espère que ces informations vous ont servi, j'espère que on se retrouvera pour une autre actualité beaucoup plus stable et beaucoup plus belle, on va dire. Voilà, c'est pas le mot que je voulais dire, mais vous avez compris, tout simplement. Bref, sur ce, on se retrouvera pour d'autres actualités, c'était With The News. Ciao, bye bye.